Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot, on parle laine et on se retrouve plus spécialement dans un vlog. Donc c'est-à-dire que je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes avancées tricot. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine, nouvel départ. J'ai beaucoup aimé tous vos messages que vous m'avez laissés sous le précédent vlog dans lequel je vous montrais le détricotage de mon premier cadran du rose cardigan d'Andrea Mori. Et vous avez été plusieurs à me dire oh, mon dieu, j'ai eu peur quand j'ai vu que tu détricotais tout jusqu'au bout et tout. Bah, voilà, je vous ai fait quelques frayeurs. Vous avez eu de la peine pour moi, ça m'a beaucoup touché tous vos messages, vous m'avez raconté aussi vos histoires de détricotage et voilà, c'est ça que ça sert, c'est de montrer que bah, ça arrive à tout le monde. Donc bah, c'est reparti pour une nouvelle semaine, hein. Je recommence mon rose cardigan, j'ai bien avancé ce week-end dessus, hop, alors je vous montre. Ah bah, je sais pas où j'étais quand je vous les ai quittés, j'étais dans la deuxième couleur. J'étais quelque part ici. Donc voilà, là j'ai intégré déjà la troisième couleur. J'ai fait la partie où il y a beaucoup d'augmentation là pour faire plutôt vers le bas du gilet. Je le vois tout de suite, il est nettement mieux en termes de taille. Il me... attendez, si j'essaye de bien le mettre, voilà, il m'arrive à peu près là. Bon bref, je vois bien que la taille correspond beaucoup mieux. J'ai fait des modifications par contre en concernant le nombre de mailles à monter. Qu'on monte ici en fait, je mettrai tout dans mon Ravelry, je vous en reparlerai plus tard, mais comme je fais la taille XS, ça veut dire aussi qu'il va être moins haut, et ça c'était pas quelque chose qui, voilà, la hauteur du gilet me convenait parfaitement sur la première version que j'avais faite, donc je l'ai rallongé en termes de, comme ça, j'ai rajouté des mailles pour qu'il soit plus long dans ce sens là, mais c'est vrai que mon problème d'échantillon était surtout dans ce sens là en termes de rang, enfin bref. Je vous mettrai toutes les explications sur, de toute façon sur ma fiche Ravelry, les modifications que j'ai faites dans le patron. Voilà, voilà. J'ai été farfouiller un peu ce que les autres ont fait pour voir comment on pouvait augmenter et adapter un peu ce patron-là. Donc voilà, c'est un peu, c'est un patron quand même qui est facile à tricoter mais difficile à adapter. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Bah, bon. Donc voilà, c'est reparti, c'est toujours aussi agréable à tricoter, je m'en... Voilà, je suis pas lassée, je suis contente parce que je vois que là il a l'air d'avoir la bonne taille et rien que ça, bah, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est tout, c'est reparti pour un nouveau tour en espérant que cette fois-ci ça soit la bonne. J'ai bien avancé sur les chaussettes à Axel mais je les ai pas, elles sont dans la voiture donc je viendrai vous les remontrer plus tard. Voilà, voilà. Et hop. J'en profite un peu pour vous parler de ma déco, parce que surtout en plus j'ai une nouvelle affiche et qu'on me pose pas mal de questions, donc je vais venir vous en parler un peu plus en détail. Donc sur mon bureau, vous me posez souvent pas mal de questions. Donc bah, aujourd'hui j'ai bu mon café dans la nouvelle tasse de Loli la Fée, voilà, qu'elle a sorti avec la collection d'automne qu'elle a sorti avec son livre Douceur d'automne. J'ai d'ailleurs, j'avais profité pour commander également la petite bougie, je ne l'ai pas encore testée mais... elles sont super bonnes. Donc ici j'ai une petite citrouille qui casse qui vient de chez Action, donc vraiment pour pas grand chose. J'ai cette petite lampe, alors celle-là j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions. Cette petite lampe sous cloche, un petit hérisson qui lit à côté d'un champignon. Mais en fait c'est ça provient de chez Ikea. Mais je crois qu'elle est plus vendue, ça fait déjà quelques années que nous on l'a et je ne l'ai pas retrouvée sur le site donc je suis désolée mais voilà, ça vient de chez Ikea, peut-être sur Vinted ou dans des brocantes vous la trouverez peut-être mais voilà, ça, je pense qu'elle n'est plus vendue. Et donc ici j'ai un autre champignon qui vient de chez Action mais des années précédentes et là j'ai mis un petit... sablier qui vient de chez Maison du Monde mais il y a quelques années également. Et maintenant j'ai une jolie affiche, hop, je vous montre, une jolie affiche champignon qui nous vient, qui me vient d'un magasin près de chez moi qui s'appelle La Folle Adresse et ils ont un site en ligne et j'ai mis dessus, hop, je vais l'allumer. Et j'ai mis, j'ai accroché dessus ma petite guirlande champignon qui provient d'Action également. Donc voilà, c'est la petite déco qui se trouve sur mon bureau et pour laquelle j'ai beaucoup de questions. Donc maintenant, j'espère que vous aurez les réponses. Et puis là derrière, j'ai mis, j'ai ma petite trousse qui...
c'était dans une pochette surprise de Les Chevaux Solidaires de Helpe Gaia. Je l'aime beaucoup. Et puis elle passe parfaitement là, sous ma petite étagère, qui est une étagère Ikea d'ailleurs aussi. Et ça, je pense que c'était encore vendu. Non, bah, je vais rien dire, je vais pas m'avancer. C'est une petite étagère en métal de chez Ikea. Voilà, et je vous remonte encore un peu. Tout là-haut, là-bas derrière, l'affiche, c'est l'affiche L'Art du Tricot, donc de Apollonie. Je l'avais mis dans ma chambre, près de mon rocking chair, mais c'est ici que j'en ai le plus besoin, donc je l'ai remise là. Voilà. On se retrouve... Alors, bah, j'ai perdu le mot. Je vous retrouve, on est mardi matin. Voilà, c'est pas du tout un moment habituel où je vous prends, parce que bah, normalement je travaille. Mais exceptionnellement, et ça fait super du bien, je ne travaille pas ce matin. Enfin, du moins, j'ai travaillé avec mes plus grands ce matin, avec mes périscolaires. J'ai été faire la conduite ce matin à l'école. Je retourne ce midi, ils mangent avec moi. Certains restent à la sieste. Mais voilà, le bébé que j'ai actuellement à temps plein à la journée n'est pas là aujourd'hui. Et j'avoue que ben, c'est fortement agréable. J'ai pu amener Noah au collège parce qu'il commençait qu'à 10h30 aujourd'hui, donc ça tombait bien. Aujourd'hui, je porte mon châle Vagala. Il est venu avec moi, Noah, en plus ce matin à l'école, et donc il m'a dit « Oh, mais il est grand ton châle, maman !» J'ai dit « Oui, oui, il est grand !» Mais voilà, je porte mon châle Vagala. Il est super doudou. Franchement, c'est un vrai régal à porter. Hop. Donc il est vraiment très très grand, vous voyez, j'ai des grands pans. Et j'ai trouvé ce matin que pour le mettre, alors quelque chose qui était bien, c'est que j'avais mis la partie centrale. Vous voyez, cette partie-là, tout en jersey. Vous voyez, on voit les nuances de la laine, elles sont vraiment belles. Je l'ai mis là, côté, dans mon cou. Et ça fait que j'avais fait un tour comme ça. Hop, on voit les vagues. Et ça fait pas une trop trop longue pointe, vous voyez. Hop, attendez, je regarde, je me lève. Oui, elle arrive... en haut des fesses, voilà, on va dire ça à peu près. Voilà, je l'ai porté comme ça ce matin, et comme ça, bah, ça me tenait chaud, c'était vachement bien, ça faisait pas des trop grands bouts là, vous voyez, ça arrive hauteur des hanches, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça pas mal, voilà. Et en dessous, je porte mon gilet Blossom de Elong avec Elna. C'est pas un gilet que je porte souvent. À chaque fois que je le mets et que je fais ça, que je vois pour le fermer, je n'aime pas du tout cette encolure en V. Allez savoir pourquoi, mais je n'aime pas sur moi en tout cas. Et puis les petits boutons de Liz Taylor, mais ça tient pas. Donc, bon, bref, c'est pas trop grave, ça m'a faux parce que moi les gilets, je les laisse toujours ouverts. Mais c'est vrai que c'est pas un gilet vers lequel je me tourne naturellement, quoi. Mais je découvre que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc voilà, j'ai gardé mon châle parce qu'aujourd'hui il fait froid, puis je suis fatiguée, donc il fait frais, je suis fatiguée, donc j'ai froid. Voilà, voilà. Mais sinon, donc là ce matin, bah, j'ai profité, je suis en train de préparer la vidéo qui va sortir sur YouTube demain, donc c'est la vidéo sur le châle Vagalam. Ce matin j'étais même en train de refaire le montage en me disant, mais non, j'ai l'impression déjà de l'avoir vu tout ça, mais oui en fait j'avais déjà monté, j'avais oublié, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, mais je l'avais déjà monté, et j'ai fait l'article sur le blog, comme ça, bon, ben voilà, pour demain ça c'est fait, c'est prêt, le repas il est déjà fait, donc c'est top, là il est 10h30, donc je vais pouvoir ben, me poser, tricoter, et puis voilà quoi, il n'y a plus rien à faire, le ménage est fait, le repas est prêt, ça va être parfait, et donc je reviens vous montrer, ah bah ben, je vais vous montrer déjà où j'en suis. Hop, alors je suis en plein milieu d'un rang, comme d'hab, ben, c'est pas grave. Hop, si je vous montre là, j'ai fini de faire la transition entre ma troisième et quatrième couleur, voilà, comme ça, ça s'est fait. C'est beaucoup plus petit hein, en termes, j'ai montré à mon chéri hier soir, il m'a dit, ouais non, c'est quand même, on voit bien la différence, donc ça va. Et en termes de longueur, ça lui paraît bien. Là, je peux pas vous le montrer parce que je suis en plein milieu du rang. Mais en termes de longueur, il me dit, ah oui, avec les côtes après, ça devrait être pas trop mal. Voilà, on est mieux parti. Donc là, moi, je vais continuer ça aujourd'hui. Et je vous reparlerai des speckles parce que finalement, ils se sont pas forcément positionnés comme la première fois, vu que j'utilise pas les mêmes aiguilles et que c'est pas... j'ai pas le même nombre de mailles, et ils se sont un peu plus étalés sur ma première version, j'avais eu une grosse tache de speckle, et là j'ai trouvé qu'ils s'étalaient un peu plus, voilà, mais comme c'est pas le même nombre de mailles, c'est pas les mêmes aiguilles, forcément là, ça se répartit pas de la même façon. Donc voilà, je vous retrouve cet après-midi pour vous montrer mon avancée tricot. Je vous retrouve, donc
Bien plus tard dans la journée, on est en fin d'après-midi, ça va être l'heure du goûter. J'ai fini de travailler, j'ai plus qu'à attendre tranquillement le retour des garçons. Et je vais pouvoir tricoter tranquillement encore. Mais en tout cas, je suis revenue tout de suite parce que... dans quel sens? Je sais pas, j'arrive pas à trouver le sens. Là, j'ai fini. Ah oui, c'est pour ça. J'ai fini le premier, un pre le, un, le premier cadran pour la deuxième fois. Mais voilà, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai mesuré. J'ai quand même 12 cm de là en longueur de moi. Enfin, ça fait la largeur du gilet. 12 cm de moi, c'est quand même, c'est quand même conséquent. C'est super bien. Ça me fait quand même 24 de différence sur tout le dos. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, il est déjà, enfin, façon même, moi je le vois en vrai, je le vois bien qu'il est beaucoup plus petit, donc c'est une bonne chose de fait, je suis super contente. Donc ça c'est le dos, ça va être au niveau de l'épaule, et vous voyez ça c'est l'encolure qui est là, mais dans le dos. Voilà. Alors je voulais vous montrer parce que une petite astuce, hein, je dois mettre mes mailles en attente. Les mailles qui sont là sur le câble, il faut les mettre en attente. Je vais pas les laisser sur le câble. Désolée, j'ai hésité. Parce qu'en fait, j'aime bien ma longueur de câble. Je pense pas en avoir plusieurs des comme ça. Et elle est juste bien pour tricoter mon rose cardigan. Donc je vais récupérer mes aiguilles et mon câble. Donc pour ça, je vais mettre je vais mettre mes mailles sur un bout de fil qui me reste à part. Alors. En fait, c'est le petit restant que j'ai pas tricoté sur ma manche. Hein, puisque je le retricote plus petit, ben, tout ce que j'avais coupé, j'ai des petits restants. Hop, et ça va, en fait, il n'y a pas beaucoup de pertes. Regardez. Voilà, j'ai que des petits bouts comme ça. Bon, ben, et un par terre. Donc ça va, j'ai pas des grosses pertes. Et donc ça m'est utile. Je vais pouvoir mettre là en attente. Et donc ce que j'ai fait. Alors, je vous montre. Hop, j'ai fait passer le fil. Alors je sais pas si ça marche pour toutes les aiguilles. Bah, je pense qu'elles sont toutes trouées. J'ai fait passer le fil dans le trou c'est le câble. Vous voyez? En fait, c'est là où normalement je mets ma tige, ma clé de serrage pour serrer mon aiguille. Vous savez, on passe une petite tige et puis on vient serrer. Bah, là, j'ai fait passer mon fil dedans. Parce que tout simplement, hop, si je vous le montre. Donc je vais tirer sur mon aiguille. Hop! Comment le faire et puis vous montrer en même temps, c'est pas évident. Ah, si je lâche comme ça, voilà. Non, ça marche pas forcément bien. Bref. Hop, je tire mon aiguille à travers mon tricot. Hop, hop, hop. Vous voyez? D'un côté, je tire. De l'autre côté, hop, je fais glisser. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est donc en tirant, de toute façon, voilà, le fil, il a été embarqué donc avec mon aiguille qui est là. J'ai plus qu'à enlever le fil de l'aiguille. Et mon morceau de cadran se retrouve. Hop. Voilà, c'est posé. Ça roule de ce côté-là, donc ça passe mieux. Mais voilà, c'est passé à travers le fil. Hop, en moins de 2, c'est fait. C'est tranquille, une petite astuce hein, que je partage comme ça. Mais voilà, un premier cadran de fait. Donc je crois que dans le patron c'est marqué, c'est préconisé de le bloquer maintenant. Je sais pas ce que je vais faire. En fait, j'ai un peu peur de bloquer mon gilet partie par partie. J'ai peur qu'il s'agrandisse encore. En fait, comme je sais pas ce que ça va donner au final, j'ai pas envie de le bloquer maintenant. Je préférais, je pense, le finir. L'assembler, les pouvoir donc l'essayer avant de faire les côtes du poignet, l'encolure, les côtes du bas, mais au moins assembler les quatre pièces et le voir sur moi. Soit la taille elle est bonne et je le bloque pas, je le bloquerai pas, ou juste des petits coups d'eau comme ça histoire de lisser la laine, mais en toute honnêteté, je pense que si je vous montre les points, vous voyez, il n'y a même pas besoin forcément que ça soit lissé. Ou soit il est pas si immense que ça et peut-être qu'à ce moment-là je le bloque. Voilà, je sais pas encore, je suis pas encore trop décidée à ce sujet-là. Voilà, je vais commencer le deuxième cadran et puis c'est tout. Je verrai bien après. Voilà, là normalement elle marque, hein, il faut le bloquer. Je sais pas trop.
comme je sais pas trop ce que ça va donner après, et je pense que même s'il est pas bloqué, franchement, il y a personne qui ira voir qu'il a pas été bloqué, parce qu'après ça roulera, ça ne va plus rouloter puisque tout sera cousu, donc il n'y a pas de raison après que je sais pas. Donc voilà, ça, une bonne chose de faite, on est mardi, j'ai fini un cadran, je suis contente. Deuxième chose que je vous montre aujourd'hui, j'ai ramené ma petite paire de chaussettes pour vous montrer. Alors, je vous avais dit, je voulais en finir avec le bleu sur cette chaussette-là. Hop, 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 je vous la remontre. Donc, chaussette sans patron, tricotée avec de la Lazy Lion de Crunk Soul Wool. Hop, l'enfant l'a essayé, elle lui va super bien, il est super content, c'est assez élastique là pour lui. Donc, je pensais finir avec le bleu. Bon, finalement, du bleu, on en a encore, sauf qu'il est quand même beaucoup moins vif. Hop, si je vous montre. Vous voyez, oui, bon. Si, moi je vous le dis, il est un peu moins vif. Voilà. Par contre, ce qui était couleur noisette, là, caramel noisette, c'est vraiment devenu vert de ce côté-là. Et alors là, le changement de couleur, il est un peu plus brutal. Moi, vous voyez, on a des petites rayures. Dans la rayure, on a des rayures bleues. C'est pas le changement là. Il n'est pas du tout fondu comme on a pu avoir partout ici, quoi. C'est bizarre. Donc à voir. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner ensuite. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire le fondu. Si c'est. Je sais pas comment ça se fait que c'est ça. Mais bon, de toute façon, que ça lui plaise ou non à l'enfant, je vais pas changer. Hein, ça sera comme ça. Mais voilà ce que ça donne la deuxième. On voit quand même, c'est un peu plus jaune, puis là ça devient plus vert, puis ça part sur le bleu. Et là le bleu foncé, il ternit de plus en plus. Donc on verra bien la couleur, ce que ça donne après, mais ça avance bien. Alors si je la colle à sa jumelle pour comparer par rapport au talon où j'en suis. Hop, mets-toi bien toi. Hop, hop, hop. Pointe contre pointe. Là, j'en suis là. Oh, il me reste plus beaucoup de rayures. Peut-être aller 4-5 rayures et je commence le talon déjà. Oh, ça va aller vite, hein. En fait, je m'en suis remarqué, comme je n'ai plus ma couverture de bébé, elle est finie, je l'ai plus sur les aiguilles. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ben, j'avance plus vite sur mes autres tricots. Donc voilà. Donc bah ben, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonjour, on se retrouve. Alors, j'ai reçu ma petite commande que j'avais commandée chez Maison Pleine Fleurs. Il me semble vous en avoir parlé dans le vlog précédent. Hop là, la jolie carte avec un petit mot derrière. Alors, je vais vous montrer. Donc, l'emballage déjà, il était super bien soigné. C'était très bien emballé, c'était tout doux, c'était tout délicat, c'était vraiment très très beau. Et avec, on avait, hop, on reçoit un petit cadeau des marqueurs. Alors, il y en a un, hop. C'est une feuille dorée. Et celui-là, j'adore, puisque c'est une petite pièce de cuir, vous voyez, avec un motif végétal dessus. C'est vraiment très très beau. Et il y avait également sur le nœud qui a entouré le paquet, cette petite pièce-là avec cette fleur, hop, en impression. Et donc j'avais commandé une broche pour mes châles. Oh, et je vous montre. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très très beau. Avec le nom de la marque derrière. Et donc la broche qui est vraiment très très belle, qui est grande. Oh, j'ai pas pris de châle là pour vous montrer. Oh, je vais trop fort. Bon, bref, voilà ce que ça donne. C'est très joli. Le bâton, il a l'air quand même vachement solide. Donc il devrait quand même pas se casser facilement. Donc. Non, je suis vraiment contente. Et la pièce, elle est tellement belle. C'est vraiment très très beau, très délicat. Et c'est grand, c'est assez grand. J'ai mesuré. Alors, hop, le bâton fait à peu près 17 cm de long. Et donc là, ça fait à peu près 17 cm de long. Je le porterai pour vous montrer sur un châle. Et cette pièce-là, elle fait 15 cm là dans la longueur. Puis même là, au niveau, vous voyez, des trous, c'est vraiment très propre. C'est vraiment très, très bon. Donc, je suis super contente. Ça a été super rapide, l'envoi. Puis je vous l'avais pas dit, mais on peut faire juste... c'est une lettre civile. Les frais d'envoi étaient qu'à 3 euros. Donc, je trouve ça bien pour... voilà, c'est pas envoyé en colissimo et à plus de 6 euros ou 7 euros. Donc, voilà. 3 euros de frais d'envoi, c'est vraiment très raisonnable. Et c'était tellement bien emballé. Alors...
Niveau tricot, voilà où j'en suis. Donc, je vous avais quitté hier, j'avais fini le premier morceau. Oui, c'est ça, je vous avais mis, j'avais mis en attente sur un fil. Donc, j'ai commencé le deuxième cadran. Donc, j'ai déjà intégré, j'ai fait la transition ici entre ma couleur 1 et ma couleur 2. Là, vous avez plutôt les plus de bonnes couleurs. Donc en fait c'est la même base, c'est la même construction de départ. Donc en fait le premier cadran que j'ai fait, c'est celui-ci dans le dos, le droit côté droit dans le dos. Et là je suis en train de faire le gauche devant. Donc là on suit exactement la même grille. Le départ il est vraiment identique. C'est alors ça va être identique jusque là, jusqu'au bout de la torsade, et on refait exactement la même chose. Vous voyez, donc là j'en suis à peu près à là. Et ben j'ai tout ça à refaire jusqu'à la torsade. C'est vraiment la même chose qu'on refait. Et après par contre les instructions sont différentes par rapport à l'encolure. C'est des rangs raccourcis apparemment, mais bon je me suis pas encore plus penchée sur le sujet. Mais voilà, après ça sera différent. Mais au départ c'est vraiment la même chose, c'est identique. La torsade se le fait dans le même sens, les augmentations aussi. Donc bon, voilà, ça roule tout seul. C'est pas trop redondant, surtout que cette partie-là, en fait, comme il n'y a pas trop de mailles, ça se tricote vraiment rapidement, en fait. Je suis vite arrivée à mon changement de couleur et c'est motivant de passer à la couleur suivante. Je sais que c'est plutôt sur ma troisième et quatrième couleur que là, là, les rangs sont plus longs, sans être excessivement longs, hein, mais ça fait que ça va un peu moins vite à tricoter. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est toujours aussi plaisant à faire. Donc voilà, je vais aller poursuivre un petit peu ça. Alors, on se retrouve. J'ai repensé que je vous avais montré ma déco en début de cet épisode de vlog. Je vous avais montré ma déco d'automne sur mon bureau. Sauf qu'en fait, on est passé en mode Halloween. Je crois que dès le lendemain, 2 jours après, on passait à Halloween. Voilà. Nous, on adore Halloween à la maison. Donc, on a décoré toute la maison. Et j'ai décoré un petit peu mon bureau. Vous voyez, des petites guirlandes, des petites lanternes. Des petites décorations. Ah non, vous les voyez pas. Bon bref, voilà, c'est passé à Halloween alors que je venais juste de vous montrer ma déco d'automne. Mais c'est pas grave, Halloween, c'est juste que à la fin du mois et après. Et ma façon, ma déco d'automne reste quand même là, mais bon bref. Voilà, ça m'a fait rire de me dire je venais juste de vous présenter et en fait je mettais autre chose. Enfin bref. Alors, mon avancée tricot du jour. J'avance bien sur les chaussettes à Axel, mais elles sont dans la voiture, donc je vous les ressortirai. Je vais les ressortir avant la fin de la semaine. Surtout que samedi, les garçons ils ont un match. Noah a un match de basket. Donc je vais tricoter là-bas. J'aimerais passer le talon de la chaussette avant d'être sur la tige. Et puis avoir la tige à tricoter pendant le match, ça sera parfait. Voilà. Parce que oui, je vais tricoter pendant le match. Hein. Je vais le regarder jouer un peu, mais je vais tricoter en même temps, ça sera pas mal. Sinon, voilà où j'en suis aujourd'hui de mon rose cardigan. Comme je ne mets pas de marqueur, je ne sais pas où j'étais hier. Je sais plus. Bon, bref. J'ai fini la transition avec la troisième couleur. Là, je suis vraiment en train de tricoter que la troisième couleur. J'ai pas énormément tricoté. Bon, si, j'ai tricoté un peu, mais voilà, pas tant que ça parce que je suis en train de ranger, par contre, de ce côté-là. Autant j'ai décoré là en Halloween, mais là, hop. Je vous montre, j'ai mis en place. Mon chéri a fait des meubles pour les garçons que finalement il en a fait trop. Donc j'en ai récupéré pour moi, ranger un peu. Donc je suis en plein rangement. J'espère pouvoir remettre quand même un peu de laine parce que j'aimais bien voir ma laine et comme si ça, comme ça un peu, comme c'est en hauteur, j'espère que le chat n'y touchera pas. Donc un petit peu moins de tricot parce qu'il y a du rangement, mais voilà, toujours sur mon rose cardigan, ça avance tranquillement. Donc c'est exactement la même chose, je refais exactement le même cadran que le premier, hein, pour l'instant c'est vraiment tout pareil, donc
C'est facile quoi, on sait très bien où on va, on n'a pas à réfléchir. Ça sera autre chose quand je vais entamer le troisième cadran parce que la torsade sera inversée. Enfin, voilà, comme ça sera inversé et que la torsade elle sera dans l'autre sens, sachant que ça va être un peu plus. Faudra le temps de s'y habituer. Mais voilà, pour l'instant, donc c'est encore le même. Donc on avance. On avance, on avance. J'ai encore. Ouais, j'ai encore 20 rangs à faire. J'ai encore 20 rangs à faire avant de changer la troisième avec la quatrième couleur. Donc j'ai encore du temps. C'est ce que je vous disais en fait. Ici, il y a tellement peu de mailles que ça va vite et on passe vite d'une couleur à une autre. Même cette section-là, elle va assez vite. Mais arrivé là, d'un coup, on augmente beaucoup. Et là, ça devient plus long. Là, c'est un peu plus long et un peu plus ennuyeux. Mais bon, voilà. Ça se tricote bien, c'est simple et vraiment, c'est pas compliqué pour l'instant. Donc voilà, c'était juste la petite avancée du jour. Aujourd'hui, je porte. Ah, parce que je ne vous avais pas dit. Oh, ça fait du bruit. Donc tout ce que je porte, je vous mets les liens en dessous. Je vous ai pas dit les jours précédents ce que je portais. Surtout, bon, c'était des choses que j'avais déjà remis dans les vlogs juste avant. Mais aujourd'hui, je porte mon gilet Clap Hands de Nathalie de By Night Création. Donc c'est un gilet, hop je vous montre, là ici c'est de la brioche, vous savez, tout le col ici est en brioche et la brioche se poursuit sur le long du gilet et on a des petites poignées, hop vous voyez, en brioche. J'aime beaucoup ce gilet, il est très doux, il est chaud et il est super léger, c'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté avec les laines de Nathalie et son mohair, hop je sais pas si vous allez le voir. Si vous voyez un peu là, il est tout poilu, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et je le porte en fait énormément à la maison, mais pas. Là, je le porte toute la journée. J'ai décidé de le porter toute la journée, mais sinon, c'est vrai que depuis que j'ai tricoté, je l'ai porté tout le temps, par-ci par-là. Un soir où il faisait froid, je le portais un petit peu, ou au matin, j'avais froid, je le mettais. Ben voilà, je l'ai porté énormément. Il est toujours sorti, mais là, aujourd'hui, je l'ai vraiment porté comme un vêtement. Dans ma tenue, quoi. Je me suis dit c'est ma tenue aujourd'hui, donc je l'ai depuis ce matin et je suis vraiment bien dedans, j'adore, j'aime beaucoup ce gilet et j'ai beau le porter énormément, franchement il vieillit super bien, malgré le fait qu'il y ait énormément de mohair, il vieillit super bien, donc j'en suis contente. Voilà, c'était le petit point tenue du jour. Alors, je vous retrouve à côté de mon bac à laine pour vous montrer un petit peu les prochains tricots qui arrivent. J'ai eu un flou là. D'ailleurs, je tenais à m'excuser parce que j'ai fait le montage hier du vlog. J'ai commencé à faire. Moi, j'ai poursuivi le montage et je me suis rendu compte que je radotais beaucoup quand même et j'en suis désolée. Je vais tenter de faire un petit peu mieux pour la fin de ce vlog. Alors, on est vendredi, demain on est samedi donc, et il va y avoir donc près de chez moi, donc en fait on habite pas trop loin de la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille qui se trouve donc à Saint-Martin-Boulogne, donc sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Les Hauts-de-France. Voilà, pour ceux qui sont loin, qui ne s'y situent pas, donc c'est tout près de Boulogne-sur-Mer. C'est juste à côté, donc une super mercerie qui a ouvert il y a quelques mois et dont la gérante Justine est vraiment très sympathique. D'ailleurs, un petit coucou si tu passes par là. Et donc là, ce samedi, elle organise un événement avec la teinturière Audrey qui se cache donc derrière Teinturlurée. Donc Audrey vient avec Célène dans la mercerie toute la journée pour ben voilà, les présenter, les vendre et tout. Donc un super moment en perspective et je vais y aller. Forcément, pour une fois qu'il se passe quelque chose, pas trop loin de la maison. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette mercerie là, c'est que elle vend, par exemple, elle vend les patrons et les tissus de Lise Taylor. Hein, peut-être qu'elle vendra les laines Lise Taylor après. Je sais pas. Elle vend de la langue, la langue yarn, l'haricot design, c'est ce que j'utilisais pas dans ma couverture de bébé, c'était là que je l'ai acheté. Et voilà, pour une fois, c'est une mercerie qui, en fait, quand vous lui parlez
de créatrice, de designeuse indépendante, elle comprend, elle connaît et elle sait très bien ce que c'est de la laine artisanale, tout ça. Et ça, tout ça, c'est vachement bien en fait. C'est pas une mercerie classique où on trouve que la Bergère de France des films d'art et où les modèles c'est que des trucs à plat, tout ça. Bon, bref, voilà, c'est une tricoteuse moderne et donc voilà, c'est vraiment chouette comme mercerie, c'est vraiment sympa. Et donc, on va avoir un petit événement pas mal juste à côté de la maison et ça, c'est chouette. Donc j'y vais. J'y vais, j'ai prévu de. Je me suis dit que j'allais m'acheter de la laine pour faire le Whitmore, le pull Whitmore, le célèbre pull Whitmore. Je l'ai pas encore fait et il me tente beaucoup, la dentelle est tellement belle. Donc j'aimerais beaucoup le faire, donc j'aimerais trouver la fingering chez Audrey, teinture lurée, et prendre le mohair dans la mercerie, donc certainement du mohair de langue. Il me semble qu'elle en a. Donc je vais voir pour essayer de trouver les deux. Et ensuite, j'aimerais également. J'avais. Ah oui, j'avais ces deux là. J'avais ces deux écheveaux de Yarneline. Donc celui-là, vous voyez, il est avec Stélina. On voit un peu les paillettes. Et j'ai celui-là également. Alors je suis désolée, vous avez l'ombre en fait du micro, tout simplement. J'ai celui-là. Alors c'est. Ah, je les avais. Oh, c'est trop bien de se replonger dans sa laine et de les voir. Je vais prendre celui-là. Celui avec le Stellina, donc c'est le Exclusive Nikita. Ah oui, c'était pour un challenge là de collectif de teinture. Ah oui, je me souviens, mais il est vraiment très beau. Et en fait, je vais faire un bonnet. Donc je voudrais trouver un mohair qui va avec celui-là. Certainement un mohair clair, beige ou blanc. Ben voilà, donc je vais partir avec mon écheveau demain pour la mercerie pour trouver un mohair qui va avec. Et c'est pour faire le bonnet slushy que je vous avais dit. J'ai plus le nom en tête. Mais c'est en tout cas dans le cadre du challenge créatif de l'automne de Bobine et Pelote qui est Vite un bonnet. Voilà. Et je tricote tout doux. Voilà, ça sera les deux ensemble. Donc je vais prendre mon écheveau et trouver demain un mohair qui lui irait. Et celui-là, il sera dans un pull. Je le garde pour plus tard. Voilà. Donc tant que j'en suis là, je vais sortir aussi mes deux, hop, zinzin indigo. Voilà. Je vais voir si lequel des deux je vais utiliser pour faire mes mitaines, toujours dans le challenge le challenge de Eve. Il y a un truc avec des moufles, les mains au chaud, ou je sais plus moi, il y a un truc avec des moufles. Et je m'étais dit que j'allais le faire avec un des deux, et je sais pas lequel. Donc je sais pas, je verrai ça. Donc je vais sortir les deux. Et je crois que c'est tout ce que je voulais ressortir de ma boîte à laine. Il y a d'autres écheveaux qui vont ressortir bientôt quand j'aurai fini mon rose cardigan. Je sais déjà ce que je vais faire après. Alors d'ailleurs, on m'avait posé la question. Je pense que je reviendrai plus en détail dessus. Mais oui, quand j'arrive sur la fin d'un projet, je pense toujours au suivant. Je suis toujours prête à attaquer le suivant. J'ai du stock en laine, en termes de laine, j'ai du stock pour faire les projets suivants. Je ne manque pas d'idées, je ne manque pas d'envie, donc ça s'arrête jamais. J'ai pas de panne d'inspiration, de panne de tricot. Si je peux avoir un coup de mou en termes de tricot pour le faire, mais ça dure un peu, ça dure un petit peu, mais pas trop. Et parfois, c'est lié à un projet qui est un peu barbant à faire, et donc en fait, de passer au suivant, bah, ça repart. Ou parfois, c'est juste dû à la fatigue, ou peut-être à un contexte. À une situation particulière, et donc ben ça, il faut juste avoir le temps que ça passe, et hop, après ça repart. Mais oui, j'ai toujours le projet en tête. Moi, là, dans ma tête, je sais très bien ce que je vais faire après. J'ai déjà la partie du challenge créatif de l'automne avec de Bobine et Pelote, donc de Eve, où c'est des petits projets. Je sais que je veux faire mon bonnet, je sais que je veux faire les moufles, j'ai un gnome à faire. Voilà, la laine en bas. Voilà, mais après mon rose cardigan, je vais repartir sur une grosse pièce et je sais aussi laquelle que c'est. Je pense que je vais enlever la laine du bac, mais je vous le dirai plus tard. Voilà, donc c'était ça. Je voulais vous montrer les petits écheveaux qui sortent de la boîte. Bon, dans les indigos, il y en a un des deux qui va rentrer dans la boîte. Quoi, je vais avoir bientôt fini les chaussettes à Axel. Peut-être que je me ferai une chaussette en zinzin indigo. J'hésite entre ça ou commencer les chaussettes de Noël. Ouais, il est jamais trop tôt pour penser à Noël. Je sais pas. À voir. À réfléchir. Et vous dites-moi, est-ce que chaussettes de Noël, vous voulez commencer maintenant? Vous attendez encore un peu? Parce que dans un sens, si je veux les porter à Noël, il faut quand même que je les fasse avant. Je pense que je vais en faire une avant, puis j'en tricoterai une pendant Noël. Ça me paraît bien. Bon, bref, à voir. En tout cas, hop, ceux-là, ils descendent. Alors je vous retrouve en bas. Je vous ai pas dit, je porte le pull Pita.
Voilà, alors ce pull que j'avais fait en Ulysse de Dererum Natura, mais celui-là il a vraiment pris en largeur, en longueur. Mais j'aime bien son petit effet cocooning, loose, détente. Voilà, je me suis dit ben, pour finir la semaine, c'est vraiment bien. Puis j'aime bien, j'adore ces couleurs. Franchement, je suis complètement fan des couleurs à retenir pour un autre modèle. Alors, sinon. Hop hop hop, l'avancée de mon rose cardigan. Je vous montre. J'ai commencé à intégrer la quatrième couleur. Voilà. Hop, vous voyez. Alors, on va mieux voir de l'autre côté. Vous voyez l'alternance. Hop. Donc voilà, quatrième couleur. Une vingtaine de rangs et j'attaque la partie encolure. Là, ici. Ça sera de ce côté-là, la partie encolure. Voilà. Donc je sais pas ce qui m'attend puisque ça va être la première fois que je fais ce cadran-là. Mais voilà, j'ai pu voir les copines, elles m'ont dit c'est des rangs raccourcis. Donc ça sera. Voilà. Ça serait le bien ce week-end de finir ce deuxième cadran. Et comme ça de commencer la suite. Hein, ça serait pas mal. Mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Ah oui, donc je vous disais que je voulais trouver donc chez Teinture Lurée de la laine pour faire le Whitmore, le pull Whitmore, et prendre en même temps le mohair. Sauf que j'ai regardé un peu le mohair, donc le mohair de langue, en fait, il est quand même vendu à peu près 10,50 € 11 € la pelote de 25 grammes. Donc en fait, si je prends du mohair de langue, yarn, ça me revient au même que si je le prenais chez Teinture Lurée. De prendre ces. Ça revient au même prix pour le Whitmore, en fait, pour ma taille, ça me serait à peu près 70 € de mohair. Et en fait, bah, j'ai pas le budget pour mettre ça en ce moment dans un mohair. Surtout que bah, voilà, je voudrais quand même prendre la laine chez Audrey, chez Teinture Lurée. Donc je vais déjà pour être à peu près pour 66 € de fingering. Donc je vais pas ajouter encore plus de mohair. Donc je vais pas acheter mon mohair là-bas. Finalement, j'achèterai bah, chez Drops. Je prendrai de la Kitschik, j'ai déjà regardé. Ça me reviendrait à 25 €. Il n'y a pas photo, ça change beaucoup. C'est pas du tout les mêmes prix. Par contre, je prendrai quand même le mohair chez Lang pour faire mon bonnet et il me faut deux pelotes. Donc quand même déjà 22 € de mohair pour le bonnet. Mais ça, je ferai ça. Voilà. Je prendrai ma laine pour la fingering pour le Whitmore et je prendrai le mohair pour mon bonnet. Voilà. Hop, alors sinon. J'ai sorti la chaussette de la voiture pour vous la montrer. Hop, donc la chaussette que je tricote pour Axel. Et je ne sais pas quoi dire sur ces changements de couleur. Donc on a eu une petite bande bleue là qui s'est faite petit à petit dans le vert et qui est devenue de plus en plus conséquente. Donc par rapport aux autres changements, en fait le changement il est quand même moins fondu. Hop, j'essaye de pas tout faire tomber. C'est quoi ça? Ah! Si j'essaye de vous montrer, là sur la première chaussette, le dégradé il était quand même beaucoup mieux fait, quoi, vous voyez? Voilà, je sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à le faire aussi bien. Et puis là, c'est pareil, il y a un changement de couleur dans le bleu. Donc, on dirait que ça passe vers le vert kaki, je sais pas trop. Donc, à voir en tricotant, ça va être la partie qui va se trouver. Hop, si je vous montre à peu près ici, vous voyez, en fait, tout doucement, là, j'approche du talon, donc c'est pas la partie qui verra le plus. Donc, c'est pas trop grave que ça soit pas aussi beau, aussi bien fondu que le reste de la chaussette. Mais j'avoue que ça me déçoit un peu moins. Voilà, c'était la laine, elle était vraiment bien partie, j'adorais beaucoup. Et bon, bah là, un petit changement un peu moins doux, un peu plus brutal. Mais on verra bien ce que nous réserve la suite de la pelote, la suite de l'écheveau. Donc là, j'en suis où, là, dans mes rangs? Au rang 65. Ah, bon, ça va, il me reste moins de 10 rangs et je fais le talon. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire la tige. Ouais, il faudrait vraiment que que je passe le talon ce soir. Bon, je crois que ce soir, je vais tricoter la chaussette. Comme ça, je vais passer le talon. Et demain, pour le match de basket, j'aurai qu'à faire la tige et ça sera parfait. Voilà. Alors, je vais vous montrer mon petit contrant en action. Parce que souvent, c'est pas évident à expliquer. Donc, vous voyez, il me sert d'anneau marqueur. Là, il est dans l'anneau qui est différent des autres. Ça veut dire que c'est le 5, l'anneau 5. Et donc, ici, là, il y a. Hop, hop, hop. Ici, j'ai un petit écureuil. Ça me montre le début du contrant. Voilà, là, je sais que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai le petit gland. Hop, s'il se mettrait à l'endroit. Bon, bref, vous avez vu, le petit gland. Alors, le gland, si donc je compte 1, 2, 3, donc 5, 6. Ah, il est sur le rang 6, l'anneau 6, vous voyez? Donc, lui, il représente les dizaines. Ça veut dire que je suis au rang 60. Et comme l'aiguille.
Elle est dans l'anneau 5, je suis au rang 65. Voilà comment ça fonctionne. Je trouve que voilà, c'est plus parlant de vous montrer en exemple. L'aiguille, elle passe dans un anneau qui représente l'unité. Et en fait, le petit marqueur qu'on bouge, lui, représente les dizaines. Donc il est sur le 6, donc 60. Et là, je suis dans le 5, 65. Voilà, je suis au rang 65. Et si ma mémoire elle est bonne, je dois aller jusqu'au rang 72. Donc j'ai plus beaucoup à faire et c'est pas mal. Donc voilà, l'objectif de la semaine, c'est finir. Ouais, l'objectif du week-end, ça va être de finir la chaussette. Non, pas de finir la chaussette, pas du tout. De passer le talon et de commencer la tige. Et de finir mon cadran. Ça me paraît raisonnable. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine. Ah, oh, ça veut dire que j'ai fait. Ah non, j'ai pas fait deux tra... Non, j'ai pas fait. J'allais dire. J'ai fait deux cadrans en une semaine. Mais non, j'avais commencé vendredi dernier. Ça voudrait dire que quand même, si je continue à ce rythme-là, dans 15 jours, j'aurai fini mes cadrans et j'aurai commencé l'assemblage. Donc ça devient bon, tout doucement, mais sûrement, bah ça avance quoi. Voilà. Donc on se retrouve demain, bah, en espérant d'avoir des belles avancées tricot. Et je suis pas partie. Je vais enlever la cuillère. Je vais vous montrer une petite tasse parce qu'on m'a beaucoup posé de questions dessus. J'enlève le café. Parce que je l'avais montré sur Instagram. Alors je vous montre parce que c'est ma petite tasse avec un renard qui tricote. Regardez comme c'est beau. Donc moi quand je la range dans mon étagère à mug, je mets le renard qui tricote. Et quand c'est un garçon, donc soit mon homme ou soit mon aîné, Axel, qui la range, et ben ils la mettent. Hop! De ce côté-ci, le blaireau, parce que eux sont Poufsouffle, ils sont de la maison Poufsouffle dans Harry Potter, donc ils me mettent le blaireau. Voilà. Donc on sait qui est-ce qui a rangé la tasse, parce que moi je mets côté renard et mes garçons mettent côté blaireau pour Poufsouffle. Mais regardez-moi, elle est vraiment super belle comme tasse, j'aime beaucoup. Hop là. Donc regardez-moi ce petit renard qui tricote. Et donc hop, je vous montre la créatrice, c'est Mini Maki. C'est ça, hein, je vous dis bonne bêtise. Mini Maki, donc Mini Maki Design sur Instagram. Elle a une boutique Etsy où elle vend ses produits. Donc moi, je l'avais précommandée. Non. Oui, c'est bien. Elle fait des ventes. Elle fait des mises à jour de temps en temps. Et donc voilà, j'avais mis un. Comment on appelle ça? Une alarme pour ne pas oublier le. Ah oh, zut! La vente! Voilà, parce que souvent, c'est le genre du truc, c'est le vendredi soir à 19h ou 20h ou samedi ou dimanche, bon, bref. J'ai mis une alarme et j'avais commandé. Vous l'avez partagé sur Instagram, vous aviez beaucoup aimé. Et en fait, ben, il n'y en a pas souvent. Il y a eu un réassort parce que je sais que quelques-unes d'entre vous l'ont eu. Il y avait eu un réassort, mais je ne sais pas trop s'il y en aura à venir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son style d'illustration. C'est une illustratrice. Qui a priori n'est pas tricoteuse, hein. Je la suis sur Instagram et elle partage ses illustrations, mais voilà. Un mug qui convenait totalement aux tricoteuses. Et donc ben voilà, je voulais vous le partager. J'avais eu beaucoup de questions sur ce mug-là. Donc Mini Maki Design sur Instagram. Et voilà, à voir si elle va faire des réassorts de sa tasse ou non. Mais en tout cas, je vous invite à aller suivre son univers. Il est vraiment très très doux. Et puis pour ceux qui aiment l'automne comme moi, il est vraiment parfait. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte un nouveau pull, le Azucena. Bon, je pense qu'on dit comme ça. De Nadia Crétin-Léchaine, de NC Nice. Alors, c'est un modèle que j'ai tricoté, que j'ai commencé à tricoter au mois d'avril, que j'ai fini au mois de juillet. Je vous en reparlerai plus tard. Hop, je me recule un peu, je vous montre.
Mais voilà, c'est un pull avec un yoke en jacquard que j'ai tricoté avec de la laine Charisma de Drops. Et j'aime beaucoup ces manches. Bon, là, ça se voit pas bien, mais ça fait un peu des manches ballon. Bah. Voilà, il va sortir. En fait, il est dans le magazine Worsted de la Bien-Aimée, qui sort une nouvelle base de laine Cori Worsted, si je me trompe pas. Moi, voilà, j'ai pas utilisé la laine de la Bien-Aimée, mais j'ai testé le patron et je peux enfin le porter et vous le montrer parce que c'était vraiment un projet secret, secret, je pouvais rien vous dire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour vous, vraiment une très très chouette surprise pour vous, j'en suis super contente de pouvoir faire ça, mais je vous en reparle un peu plus tard dans la journée, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, avant qu'on s'en aille à la mercerie, acheter de la laine, je reviens parce que j'ai fini mon deuxième cadran du Mon Rose Cardigan. Hop, alors vous voyez, c'était des rangs raccourcis, c'est ce que je vous disais. Donc là, quand on regarde, vous voyez bien par rapport ici à la... En plus, là, avec la lumière, vous avez un fort contraste entre les couleurs. Donc vous voyez bien, ici, j'ai ça de hauteur. De hauteur de tricot, tandis qu'à la fin du rang, hop, voyez bien, c'est beaucoup plus haut. Vous le faites les rangs raccourcis, et puis là, c'est vraiment des rangs raccourcis. Ils sont de plus en plus courts à force que je les tricote. Bon, là, ça roulotte complètement, ça aura besoin d'un blocage, mais surtout qu'avec la. En fait, donc ça, c'est la partie là. Voilà. Hop, donc il y aura la bordure qui va permettre de tenir tout ce côté qui roulotte. Mais voilà, donc. Un deuxième morceau terminé, je vais pouvoir attaquer le troisième cadran, donc je vais, c'est tout, encore et toujours la même chose, mais cette fois-ci en inversé, je vais faire celui qui est là derrière et celui qui est là devant. Alors je voulais, hop, je voulais vous en parler avant de recommencer, pour vous montrer un peu les quantités de laine que j'avais utilisées pour faire pour l'instant. Donc moi je suis la taille XS, un peu ajustée, un peu plus grand. Donc je sais pas du tout si on peut suivre à mes proportions de laine, mais voilà, alors ce que j'ai utilisé pour l'instant, c'est ce qui me reste de mes premiers échevaux de laine que j'ai utilisé pour faire quand même deux cadrans. Donc vous voyez, je n'ai pas encore fini un seul échevau de laine en faisant les deux premiers cadrans. Donc ça c'est le bout des manches, bon bref, de toute façon c'est du plus foncé au plus clair. Donc de toute façon ça j'ai qu'un seul écheveau de ces deux-là. J'en ai qu'un seul écheveau et je vois bien que j'en aurai largement assez. Cette couleur-là sert à faire les poignées de côte après et celle-là ne sert plus. Elle va servir pour refaire les deux autres cadrans, mais je veux dire, une fois que j'ai refait mes deux autres cadrans, j'aurai encore besoin de ça pour faire les poignées de côte. Et ensuite, donc ça, bah, avec les deux autres cadrans, ça sera fini parce que vous voyez bien, il y en a quand même beaucoup moins, mais j'ai encore deux écheveaux de chaque, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il me reste encore deux écheveaux comme ça et deux écheveaux comme ça. Ça, je sais qu'on le réutilise pour faire l'encolure et ça, on l'utilise pour faire le bas du gilet, les côtes en bas. Normalement, je le fais avec cette couleur-là. Mais moi, je préfère cette couleur-là. Je préférerais qu'il soit plus clair, donc il se peut que je fasse l'encolure et le bas des côtes avec ça, parce que j'en aurai assez, largement assez. Je réfléchis en même temps, mais oui, moi, je pense que voilà, je vais voir si je peux éviter en fait d'utiliser mes... Ah, moi j'avais acheté, ben, j'avais demandé à mon chéri pour Noël les quantités pour faire la taille M, donc en fait je crois que j'ai un écheveau de ces deux couleurs-là en trop, et j'aimerais bien ne pas les entamer en fait, donc je verrai bien quand j'aurai fini, mais voilà, là... Ça m'a pas consommé tant de laine que ça au final. Regardez, ça c'est les premiers écheveaux, il me reste quand même tout ça. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit point quantité de laine avant de commencer la suite de mon gilet. Donc voilà, donc là on va aller se préparer tout doucement et on va aller rencontrer Teinture Lurée. Moi j'ai déjà rencontré, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais voilà, on va aller la revoir. J'ai avancé sur ma chaussette, j'ai passé le talon hier, donc c'est parfait pour la tige cet après-midi, mais je vous reparle de tout ça ce soir.
Alors, je vous retrouve après une journée mais super chargée. Voilà, très très chargée. Donc, je vous avais montré ce matin que j'avais fini un cadran de rose cardigan. J'ai commencé un début de troisième, tout petit comme ça. Je vous le montre pas, on verra ça la semaine prochaine. J'ai tricoté pendant le match de basket. Alors, voilà ce que ça donne. La chaussette. Donc là, après le truc bizarre ici, à ce niveau-là, vous voyez où c'est le, je sais pas, le changement il est pas foufou. Là, on repart sur quelque chose de plus beau, de plus propre, de plus comme la première chaussette. Donc, alors si on regarde, le bleu foncé s'est transformé en une sorte. Attendez, alors je regarde. Ouais, vert qui tire un peu sur le jaune. Et donc, ce qui était vert a passé au bleu ciel. Et ça rechange même de couleur à ce niveau-là. Ça repart un peu sur le beige. Donc, dans l'ensemble, je suis contente de la laine. Ça rend bien. Il n'y a que juste ici. Vous voyez, je ne sais pas trop là. Le changement, c'est pas aussi réussi que le reste. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même joli. Et puis, il sera quand même content de porter ses chaussettes. Donc là, il reste plus énorme pour finir. Hop, si je compare avec l'autre. Et donc le talon, la même chose, un talon en rang raccourci, ça m'a fait une rayure, une deuxième rayure pour l'arrondi et une troisième rayure pour finir. Donc les rayures là sont quasiment identiques, comme pour la première. Et donc hop, si je compare, j'en suis là. Il me reste plus que ça qu'à faire pour finir la chaussette. Donc ça devient bon, ça devient bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc ce matin, nous sommes allés à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille où il y avait donc Audrey Teinturlurée qui est exposée. Voilà, un moment super génial, c'était vraiment super chouette. J'y suis avec mes garçons parce qu'on voilà, on avait une journée très chargée et on est resté une petite, ouais, finalement quand même une petite heure là-bas et c'est passé mais tellement vite, tellement vite, tellement trop vite. Mais c'est tout, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc je vous remonte, hop, le logo, je vous l'avais déjà montré, parce que ma laine pour la couverture de bébé, elle vient de cette mercerie-là. Hop, alors que je vous montre ce que j'ai pris. Alors je vous avais dit, je voulais trouver du mohair pour aller avec mon écheveau de Yarneline, les exclusives Nikita. Donc ils vont se transformer en bonnet, et regardez-moi ça, ça va être mais parfait. Parfait, parfait. Alors, vous le voyez pas, mais le mohair, il brille. Je suis pas sûre que vous le voyez. Mais le mohair, il brille. Donc, c'est le mohair de Lang Yarn. Donc là, c'est le coloris... Oh non, c'est pas... Voilà. Je vous montre la référence. Mais c'est un très, très beau rose. Et franchement, il ira à merveille. Ça va s'accorder à merveille avec mon écheveau de Yarneline. Et donc j'ai également, hop, donc pour aller avec le bonnet, donc ça j'ai acheté ça à la mercerie. Et pour aller avec le bonnet, j'ai acheté les petites étiquettes en cuir que fait Teinturlurée. Alors je vous montre. Une avec son petit logo mouton. Une avec son petit mouton et une avec qui est trouée mais avec un cœur. Donc là en fait ce qui est pas mal c'est que ça laisse passer on voit le tricot au travers. Et ce qui est bien c'est qu'elles sont avec ce système-là, ça permet de les enlever et de les remettre voilà, quand on veut laver son tricot ou autre, c'est vachement bien fait. Donc j'en ai pris deux pour changer, ça ira très bien hop, avec mon bonnet. Donc voilà mes petits achats. Ensuite j'ai acheté chez Teinturlurée trois écheveaux comme ceci, comme celui-ci. Donc c'est sur sa base BFL, c'est le coloris Hunter Sandman. J'aime beaucoup, en plus c'est des nouvelles étiquettes, je n'avais pas encore vu ces étiquettes là. Et donc ça c'est pour faire mon Whitmore et j'ai plus qu'à acheter du mohair pour aller avec et je sais quel mohair et quelle couleur de mohair je vais aller avec. Ça va être parfait, elle est nuancée. Elle est nuancée et ça va rendre super bien, super bien. Et puis du BFL, je suis contente maintenant que j'ai essayé. Ben en fait, quand j'ai vu le BFL, je me suis dit, oh, je vais prendre ça. Ça va être parfait. Hop, et j'en ai trois, donc comme ça. Elle avait une très très grande palette de couleurs, mais je le savais que je le voulais pas blanc. Et voilà, je voulais ce... C'est quelle couleur ça? Ouais, c'est un beige foncé, marron très clair. Je sais pas trop comment le décrire, mais ça va être parfait. Ça va être vraiment parfait. Alors, Audrey, elle avait fait aussi pour l'occasion
Des kits à chaussettes. Exprès pour justement, hop, regarder le coloris pour la mercerie, pour cet événement-là. Donc bah, je pouvais pas passer à côté. Hein. Donc on a, moi j'ai pris la version où il y a un écheveau de 100 grammes. Regardez comme c'est très très beau. Et donc deux mini, un noir et un jaune. Ça va me permettre de faire 4 paires de chaussettes. Voilà. Il tire un peu sur le bleu. Enfin bref, j'ai pris ça également. Comme les chaussettes à Axel arrivent sur la fin, c'est parfait. Audrey m'a offert dedans, c'est un petit morceau de bois de cèdre pour contre les mites. Donc, merci beaucoup Audrey, je vais le mettre dans mon... Je mettrai dans mon armoire où il y a tous mes tricots. Et Justine, donc celle qui tient la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille, m'a offert deux lots de marqueurs Harry Potter. Ils sont mais juste magnifiques. Alors, il y en avait un autre qui est pas... Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai rangé? Ah, je l'ai pas là. Je l'ai sorti et je l'ai pas mis dans mon sachet. Un petit marqueur avec un grain de café, il est trop trop beau. Et elle m'a offert donc tout cela. Hop, ce sont des Harry Potter, je vous montre. Alors, hop. Donc il y a un contre-rang déjà. C'est super beau. Et puis vous savez comme moi j'adore les contre-rangs. Je suis complètement une fan de contre-rangs. Donc avec Edwige d'un côté, Harry Potter de l'autre. Et vous voyez, il y a même un petit éclair. Et il y en a tout plein, tout plein. C'est trop trop beau. C'est trop mignon. Alors je vous montre. Hop, là il y a Rhône. Hop. Hermione. Ah, ceux-là, je les aime bien. J'aime beaucoup les médaillons comme ça. Hop. Il y a Poudlard. De jour et de nuit. C'est trop trop beau. Et puis dans les petites boîtes là, c'est vraiment parfait. C'est juste la bonne taille. En plus, ils passent bien. Parce que c'est quand même des marqueurs qui sont assez grands. Et ça passe super bien. Hop. Et ici, on a Harry. Regardez. Le chapeau. Comme le chapeau. Hop. Et je vous montre les deux derniers. Ah, mais il ne veut pas les montrer. Mais... Là, un livre et puis sur l'autre. Oh bah décidément. Harry Potter. Donc ils sont vraiment très très beaux. Et je te remercie énormément Justine pour ce très joli cadeau. Je les avais pas. Elle me disait, je pense que tu vas avoir des doublons. Et je crois que franchement sur la totalité, il y en a un ou deux que j'ai en doublon. Mais tous les autres, je les avais pas. Donc merci, merci beaucoup pour ce très beau cadeau. Voilà, un super moment. Qui est passé trop vite. Que c'est vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment passé trop trop vite. Mais c'était vraiment chouette et j'ai hâte de toucher. Ce que je vous avais dit, hein, c'est quand même 11, 10 ou 11 euros la pelote de mohair, mais il est d'une douceur. Il est vraiment d'une douceur incroyable. Donc là, franchement, bah, pour un bonnet, ça va être vraiment top, top, top. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer. Et donc pour finir cet épisode de vlog, alors c'était pas prévu, c'est tombé comme ça et j'en suis mais vraiment ravie ravie, je vais pouvoir vous gâter une nouvelle fois, donc cette fois-ci ça vient pas de moi, mais c'est Lily de l'écheveau solidaire, donc voilà, je vous en ai parlé quand même plusieurs fois ces derniers temps parce qu'avec le chat Alva Galam, si vous voulez en savoir un peu sur l'écheveau solidaire et l'association qui se trouve derrière, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale sur laquelle je vous parle du vagalame, je vous reparle de l'écheveau solidaire. Et donc Lily a la gentillesse de vous offrir une box de Noël. Oui, 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 vous avez bien entendu, je vais pouvoir vous offrir la box de Noël de l'écheveau solidaire, la box normale, parce qu'il y a la mini, il y a la maxi, mais moi je vous offre celle entre les deux d'une valeur de 129 euros. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous gâter, je remercie encore énormément Lily pour cette opportunité et puis pour sa générosité. J'ai été vraiment très touchée quand elle m'a proposé de pouvoir vous faire gagner une box et ça me fait très très plaisir. Donc sachez que dans la box il y a 500 g de laine, il y a un écheveau de 50 g dans un coloris surprise. Vous trouverez également le magazine de l'écheveau solidaire. Alors hop. Alors, celui de l'an dernier, c'était celui-là. Et c'est vraiment un magnifique magazine. Il est très complet. Il y avait plein de patrons, mais il y avait des interviews dedans. C'est vraiment complet, quoi. C'est pas juste un livret
de patron. Non, non, il y a des choses dedans, il y a des interviews, des portraits. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et donc dans la celle de cette année, hop, il va y avoir une seconde édition, une nouvelle édition de ce magazine, le numéro 2. Il y aura un textile illustré et également des goodies. Donc voilà, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans la box. Hein. C'est le principe de la box de Noël de Les Chaussons Yves d'Air. Elle sera envoyée début ou mi-décembre, hein, juste avant les fêtes. Et donc j'ai la chance de pouvoir vous en offrir une. Peu importe où vous habitez. Enfin, je m'améliore. Voilà, vous pouvez participer peu importe où vous habitez. Lily expédie en France ou à l'étranger, il n'y a pas de souci. Et donc, juste pour participer, il suffit de laisser un message sous ce commentaire. Et dans le prochain épisode de vlog, j'annoncerai le gagnant. Donc voilà, je suis ravie de finir cette semaine de vlog avec cette chouette surprise qui a débarqué comme ça hier. Et je me suis dit, hop, c'est bon, ça tombe juste bien pour la fin de cet épisode de vlog. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye.